J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est ma routine capillaire. Donc vous l'avez fait il y a quelques temps, je vous mettrai la vidéo sur le petit i si elle vous intéresse, parce que vous allez voir qu'elle a pas mal changé depuis celle-ci. Donc voilà, donc je vais faire deux petites parenthèses avant de commencer la vidéo. Je n'utilise plus de chaleur pratiquement sur mes cheveux. Donc ce qui est fer à lisser, fer à boucler, sèche-cheveux, je n'en utilise pratiquement plus depuis à peu près un mois. Donc je ne vous présenterai pas de protecteur de chaleur ou quoi. Si vous voulez voir une routine capillaire avec ce genre de produit, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne routine capillaire que vous avez postée sur ma chaîne. Donc voilà. Et deuxième petite parenthèse, c'est que pas mal des choses que je vais vous présenter dans cette vidéo, pas mal des astuces que je vais vous présenter dans cette vidéo, je les applique grâce à une vidéo qu'a fait Emma Dolly sur sa chaîne sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire à ses cheveux. Donc voilà, j'applique ça depuis à peu près un mois et je commence à avoir des résultats au niveau de mes cheveux. Donc voilà, donc c'était deux petites parenthèses que je voulais faire. Et donc c'est parti, je commence avec les accessoires que j'utilise. Donc tout d'abord j'utilise deux brosses, qui sont ces deux brosses là. Donc celle-ci qui vient de chez Franck Provost, que j'ai trouvé chez Leclerc, qui démêle hyper bien les cheveux, qui ne tire pas quand vous avez un nœud, qui est juste top, top, top. Et vous avez celle-ci, donc c'est la Tangle Teaser. On a entendu beaucoup parler sur YouTube, passe un temps. Et voilà, j'avais craqué, j'ai eu moins 25%, j'ai craqué. Donc là, vous avez le petit socle et là, vous avez la brosse. Et honnêtement, pareil que l'autre, elle démêle bien et elle est hyper pratique à emmener en week-end ou en voyage, ou en... quand vous partez en fait. Donc voilà, dû à sa taille. Donc je préfère emmener celle-ci que celle-ci. Voilà, tout simplement dû à la taille. Autre, on va dire, peigne que j'utilise, c'est celui-là. Ouais, c'est du peigne. Voilà, c'est du gros peigne. Donc en fait, c'est un peigne que vous pouvez accrocher à votre douche, comme ça. Et moi, je m'en sers pour quand j'applique donc mon masque ou mon après-shampoing, donc je le mets sur mes cheveux et je passe la brosse comme ça dans mes cheveux. Ça permet de répartir hyper bien le produit et honnêtement c'est juste top ces petits trucs là, je l'adore. Donc voilà, tout simplement parce que j'ai beaucoup fait l'erreur passé un temps d'appliquer comme ça mon après-shampoing ou mon masque, et depuis que j'ai vu la vidéo d'Emma Dolly, je fais avec cette brosse, c'est mieux. Donc, premier et pardon, dernier accessoire à vous présenter, j'allais les oublier, ce sont ces petites choses-là. Donc, je pense que vous connaissez, c'était la mode, pas un temps. C'est des élastiques en forme de cordon, de téléphone, j'appellerais ça. Et ces élastiques ont la particularité de ne pas vous faire de marque dans les cheveux. Donc, moi, ce que je fais tous les soirs, j'applique un soin que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Et après, donc, soit je me fais une queue de cheval assez haute, soit je fais un chignon, soit je fais une tresse, et j'attache toujours avec ce type d'élastique là parce qu'il ne marque pas sur les cheveux et ça évite que ça me déshabille d'une part, et quand je dors ça évite que ça frotte sur le coussin et que ça abîme aussi mes cheveux. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais commencer par vous présenter un premier produit qui est l'huile réparatrice de chez Yves Rocher, à l'huile de jojoba, qui est comme ceci et que j'adore. Honnêtement, utiliser cette petite huile, je l'adore beaucoup, 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 beaucoup. Et il n'en faut pas beaucoup en fait pour qu'elle fasse son job sur les cheveux. Donc voilà. Ensuite, autre conseil que j'ai vu dans la vidéo d'Emma Dolly, c'est d'appliquer son après-shampoing. Donc en premier, généralement, vous faites votre shampoing et vous appliquez votre après-shampoing après. Moi, ce que je fais maintenant depuis la vidéo d'Emma Dolly, je mets en premier mon après-shampoing et ensuite je fais mon shampoing. Et j'ai rajouté en premier à faire avant shampoing, je fais également le masque. Donc c'est-à-dire que je fais donc soit un après-shampoing, soit un masque, ça dépend. Et après, je fais mon shampoing. Donc pour le masque en ce moment, je teste celui de chez Velleda, c'est le masque à l'avoine capillaire régénérant, fortifie, nourrit et protège. Donc qui se présente comme ceci. Donc celui-là, c'est une copine qui me l'avait donné, donc c'est un soin naturel artisanal, cheveux secs et abîmés.
Et honnêtement, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, tout simplement. Et il sent bien bon. Il sent bon. Donc, voilà. J'aime plutôt bien ce petit masque. Donc, c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Et niveau après-shampoing, donc j'ai celui-ci de chez Le Petit Marcel, qui est nutrition au lait de karité et au miel. Cheveux secs et cassants. Donc, il se présente comme ceci. Que j'ai presque terminé. Donc, du coup, j'en voulais en tester un autre. Et du coup, j'ai pris celui-ci qui est de la marque Carrefour, donc qui est une marque qui est vendue chez Carrefour, les cosmétiques Nectar of Beauty, après shampoing nourrissant à la mangue et au beurre de noix. Donc voilà, dès que j'aurai fini celui de chez Le Petit Marseillais, je vais venir tester celui-ci. Voilà, il sent plutôt bon, j'aime plutôt bien l'odeur, donc je verrai ce qu'il donne sur mes cheveux. Et je vous en reparlerai donc soit en vidéo produit terminé, soit en favori, soit en article sur mon blog. Le lien de mon blog est en barre d'infos. Donc voilà. Donc ensuite, je mouille avant un petit peu mes cheveux. Enfin, je mouille mes cheveux. J'applique donc soit le masque, soit l'après-shampoing. Je passe le petit pen que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je viens faire le reste de mon corps. Donc laver mon corps, faire tout ce que j'ai à faire après. Et juste avant de rincer mes cheveux, donc je viens faire mon shampoing. Donc là c'est pareil, j'alterne entre deux shampoings. Donc le premier c'est le Palmolive qui est à l'orange je pense. C'est pas marqué, au citron. Voilà, au citron il y a l'orange. Qui est comme ça. Et qui est pour cheveux normaux à gras. Donc moi il faut savoir que au niveau de la racine mes cheveux font un peu ce qu'ils veulent en ce moment. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise deux shampoings. Et le deuxième que j'utilise c'est celui-ci à la noix de coco. De chez Action, donc une vidéo revue arrive très bientôt sur ma chaîne sur ce shampoing là. Donc voilà pour les deux shampoings que j'utilise actuellement. Ensuite donc une fois que j'ai terminé tout ça, que je sors de ma douche, que j'ai tout rincé, je viens appliquer des soins. Donc je viens en appliquer deux, enfin trois, mais l'autre c'est pas vraiment un soin on va dire, c'est un démêlant. De chez Le Petit Marseillais, voilà, qui est aux extraits de pamplemousse et jasmin. Je l'avais déjà testé il y a quelques temps, enfin même au tout début de ma chaîne. Et en fait, je comprenais pas, je le voyais pas du tout efficace. Et d'autres chaînes qui en parlaient, qui l'adoraient. Donc là, je me suis dit, c'est en fait que je ne le laissais pas poser, on va dire. Donc voilà, j'en mettais, je brossais derrière. Donc non, le produit n'avait pas le temps d'agir. Donc voilà, je l'adore et honnêtement, il en faut pas beaucoup pour qu'il fasse son job. Et ensuite, je viens appliquer ces deux soins-là. Donc, celui-là qui est de la marque Biface, qui est de la kératine liquide Active Protect. Donc, moi, je n'utilise pas pour sa fonction de protectrice. J'utilise par rapport à la kératine, voilà, pour mes cheveux. Et le dernier soin que je viens utiliser, c'est un sérum à l'huile de macadamia de la marque Sien. Voilà. Et honnêtement, donc vous pouvez l'appliquer en tant que comme l'huile réparatrice que je vous ai présentée. Moi en fait je l'applique donc sur ma main comme ça. Et avant ce que je faisais, donc je faisais comme ça et j'appliquais comme ça sur mes cheveux. Comme vous avez pu le voir, la vidéo d'Emma Dolly a beaucoup changé ma routine capillaire. Donc au lieu de le passer comme ça, je fais comme ça, vous voyez, en mode 2. Et je viens en fait faire comme ceci sur mes cheveux et ça répartit mieux le soin. Et ça évite que quand je les frotte je les abîme. Donc voilà pour ça. Et le dernier soin que je voulais vous présenter, je vous en avais fait une vidéo revue dessus, je vous la mettrai sur le petit i. Si elle vous intéresse d'aller voir, c'est ceci. Alors c'est le soin de nuit pour cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabène, de chez Yves Rocher. Donc c'est de la gamme réparation. Et honnêtement, donc là je l'avais en tout petit, que j'avais eu par ma soeur. Et honnêtement, ce produit, je l'applique tous les soirs sur mes longueurs et poils. Donc, de la même façon que j'applique l'huile. Hop, et on passe. Voilà. Et je l'applique comme ça. Après, je fais ma tresse, ma queue de cheval ou mon chignon. Tout dépend de ce que j'ai envie. Et voilà. Donc, voilà pour ma routine capillaire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous appliquez, vous. Quelles sont les si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!